Bonjour Stéphane Castelluccio. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter votre ouvrage L'éclairage, le chauffage et l'eau au XVIIe et XVIIIe siècle, publié aux éditions Gourcuff Gradenico en 2016. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet? Oui, c'est un sujet passionnant. Je voulais aborder l'aspect pratique de l'usage des intérieurs, aussi bien des résidences aristocratiques que des résidences royales, savoir comment on s'éclairait, comment on se chauffait et quelle était la place de l'eau dans un intérieur et tout ce que cela impliquait, puisque c'est très loin de nos techniques actuelles. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière dans une pièce, il suffit de tourner un bouton pour avoir le chauffage grâce au chauffage central et on ne s'occupe plus de rien, alors qu'au XVIIIe siècle, ça demandait tout un personnel, des domestiques, et on comprend mieux lorsque l'on s'intéresse à ces questions pratiques, l'importance des domestiques et la nécessité des domestiques dans un intérieur. Alors, vous allez plus particulièrement nous parler de l'éclairage et des différentes techniques d'éclairage. Oui, ces techniques ont très peu évolué depuis l'Antiquité. Il y a trois principales techniques. La lampe à huile, qui était l'huile à base d'huile d'olive ou d'huile dite de navette, qui est une variété de graines de colza. Et la lampe à huile présentait l'avantage, grâce à un réservoir important, de pouvoir éclairer longtemps. En revanche, la flamme dégageait assez peu de lumière et fumée. Donc, les lampes à huile étaient plutôt utilisées dans les couloirs ou dans les escaliers la nuit comme veilleuse. Deuxième technique, la plus répandue, sont les chandelles, c'est-à-dire à base de graisse de bœuf et de graisse de mouton. Donc, les chandelles étaient un peu plus chères que l'éclairage à l'huile. Elles avaient cependant deux défauts. Souvent, la flamme pétillait et elle fumait. Et le troisième défaut est que souvent, à l'extinction de la chandelle, vous aviez une odeur de graisse brûlée, pas toujours très agréable. Et enfin, la dernière technique, la plus luxueuse, évidemment la plus coûteuse, c'est la bougie. La bougie en cire d'abeille, alors soit en cire d'abeille brute, donc jaune, soit la plus prestigieuse, la cire d'abeille blanchie, qui est utilisée selon les témoins de l'époque, qui était pour l'autel et le Louvre, c'est-à-dire pour Dieu et pour le roi, donc était principalement utilisée dans les églises ou dans les résidences royales. Le grand avantage de la bougie de cire est que la flamme était stable, que la bougie ne coulait quasiment pas et la flamme ne pétillait pas et ne dégageait pas d'odeur, aussi bien pendant la combustion qu'à l'extinction. Parlez-nous de l'éclairage des résidences royales. L'éclairage des résidences royales, à partir de Louis XIV, se distingue de l'éclairage des intérieurs particuliers. En effet, Louis XIV, dans sa volonté de distinguer la fonction royale et les résidences royales de celles des particuliers et même des princes du sang, a donc construit des résidences de taille supérieure, des cordes et d'un mobilier à la richesse supérieure à celle que pouvaient atteindre les particuliers. Et même dans l'éclairage d'une résidence royale le niveau d'éclairage d'une résidence royale était supérieur à l'éclairage d'un particulier, par exemple, dans le grand appartement de Versailles, avec le mobilier d'argent. Le grand appartement, donc depuis le salon de l'abondance jusqu'à la galerie des glaces, était éclairé par 600 bougies. Après la fonte du mobilier d'argent, l'éclairage a un peu baissé et il est resté entre 400 et 420 bougies jusqu'à la Révolution. 420 bougies, c'est-à-dire que vous aviez un éclairage dans toutes les pièces, tout le temps, et ce n'était pas la lumière qui suivait la personne, mais l'éclairage était présent dans toute l'enfilade des appartements. Et 400 bougies, c'est le nombre de bougies chez un particulier lors d'une fête. Donc voilà, chez le roi, c'est un niveau nettement supérieur. Et lorsque vous aviez des festivités, comme les mariages du dauphin, par exemple, en 1745 ou en 1747, le niveau d'éclairage était multiplié par 3, par 4, vous aviez toujours du Salon d'Hercule jusqu'à la Galerie des Glaces, 1880 bougies.
bougies qui éclairaient l'ensemble. On rajoutait des lustres, on rajoutait des girandoles. La lumière est un luxe. Et comme dans une fête, avoir un buffet bien garni fait partie voilà, du luxe minimum. Avoir un éclairage bien fourni, que toute la pièce soit éclairée, alors que au quotidien, vous avez des zones d'ombre sont éclairées, bah, la table sur laquelle vous mangez ou sur laquelle vous jouez, sont éclairées les alentours de la cheminée grâce au feu de la cheminée elle-même, grâce au foyer, et vous pouvez avoir quelques flambeaux par-ci par-là sur les tables de jeu, mais le reste de la pièce est dans la pénombre. Alors que lors d'une fête, on éclaire toute la pièce, il n'y a pas de pénombre, ce qui coûte très cher, la bougie de cire et le mode d'éclairage le plus coûteux que l'on trouve chez le roi et chez l'aristocratie, même des parlementaires comme Mathieu Maret, par exemple, on est quand même chez la noblesse de robe, s'éclaire à la chandelle de suif. C'est moins cher. Donc vraiment, les résidences royales éclairées à la bougie de cire, tout comme les cierges dans les églises, et c'est pas un hasard, n'oublions pas que le roi est le représentant de Dieu sur terre. Donc on a là un parallèle entre le roi représentant de Dieu sur terre et puis les églises, et de même que le roi, lorsqu'il se déplaçait à la nuit tombée, était toujours environné de lumière par des flambeaux, par exemple, ou bien même les symboles de la monarchie, comme la nef du roi, lorsqu'elle était apportée à la table, était précédée par des flambeaux. Donc la lumière entourait le roi, et le roi en France, est considéré comme un personnage sacré, bien évidemment, mais également brillant, éclatant. Donc, et cette lumière qui entourait le roi faisait partie de cette mise en scène de la personne sacrée du roi, de même que l'éclairage des appartements. Au fur et à mesure que vous progressiez dans l'appartement, le niveau d'éclairage montait, et la pièce la plus éclairée était la chambre du roi, qui est symboliquement le lieu où la fonction royale est la plus mise en valeur dans un appartement royal. Merci Stéphane Castelluccio pour ce voyage dans le temps. Merci à vous.